Hein? Formidable. Donc on joue à Grip. Ça coûte 16 balles sur Steam, mesdames et messieurs. On va faire qu'une seule session de gameplay parce que j'ai planté pendant environ une trentaine de minutes. Et j'ai mis 30 minutes à régler slash trouver le problème. Et cette vérité, elle blesse. Mon cœur qui s'arrête une deuxième fois. Pourquoi une deuxième fois? Quand le live a coupé, je ne sentais plus mon cœur battre. C'est bon, on se marre, enfin je crois. Ah, on se marre, pardon. Donc là, voilà la vérité simple. Alors, pas encore de mode multiplayer, à moins qu'il y soit. Oh, et split screen, donc pas encore, à part... Waouh! La transition des menus! Excellent. On va jouer en single event. Donc, écoutez, j'ai quand même envie de jouer à ce jeu. I don't blame the game. Don't hate the player, hate the game. Là, c'est un peu l'inverse. Don't hate the game, hate the software. Parce que c'est en fait XP qui nous a mis à l'envers, encore une fois. Quasiment. Ça sent le jeu indé bien codé. Non, mais il n'y a aucun problème avec le jeu. Je plante sur tous les jeux. Non, non, il n'y a aucun problème avec le jeu. Ne vous en faites pas. Donc, on va jouer en single event. On a qu'une seule session de gameplay, alors faut aller vite. Ué, 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 ué. Alors, ué, ué, on va prendre vert ultra saturé. Brightness. Ouais, comme ça. Accent color. C'est quoi? Ok, on va mettre, je sais pas, rose, c'est génial, non? Hyper saturé. Ah, un virus t'emparait de ton système nerveux pour forcer un réflexe moteur induisant un coup de pied dans la tour, disloquant la carte graphique de Zerator. BAM! Mais non, tout va bien. Alors, on peut jouer la Terra Dominator, la Terra Dreadnought, la Sigon Cyclone, la Wintech Warlander, la Vintech Juggernaut, et voilà. On peut changer les rims, qui sont les jantes ou les enjoliveurs, les tires, qui sont les pneus. Mais qu'on peut pas changer encore pour l'instant. Ah non, qu'on peut pas changer la couleur. Et j'imagine que ça change les stats. Les enjoliveurs, ça change les stats. Non, les pneus, ça change les stats. Non, c'est que du skin. On va prendre un truc comme ça. On va prendre la de base, hein, la Dominator. Ou alors la Dreadnought. La Dreadnought. Hein, celle-là. On va tester celle-là. J'ai très hâte de jouer à ce jeu. Par contre, les petites connexions ou les gens qui regardent en basse qualité, vous allez souffrir. 21h, début de l'Independence Day. Ah mais ça par contre c'était vrai. Ah non, ça par contre vous pouvez rien dire. Ah ça, évidemment. Ah mais il y a Underworld qui a donné 10 000 €, c'est ça que tu disais. Ah Underworld, merci beaucoup. Je voyais pas, j'étais pas là. C'est un peu extrémiste pour filtre les viewers. C'est un peu extrémiste pour filtre les viewers. C'est un peu extrême. C'est un peu extrémiste, non, ça ne va pas. Alors Classic Race. Ah mais en fait la manette marche pas. Oh là là. Ah mais oui, normal que la manette marche pas puisque plus aucun bus USB ne fonctionnait. Et si je débranche, rebranche, tout refonctionne, c'est ça? Pas du tout! YouTube, on vous ment. Ah bon? Bah, j'aimerais bien savoir sur quoi. Arena, du carcours. Putain, mais le carcours, trop bien! Parcours, car, parcours, parcours, carcours, énorme! On va d'abord faire une race, je pense. Non, je voulais juste cliquer sur le truc. Je me sub et ça crache, je crois que tu veux pas de moi. Le Booplop, merci pour ton sub. Alors, Classic Race, attendez, il y a écrit quoi? Your traditional old school race, where position across the finish lines determines the winner and the losers. Plenty of weapon in store. But no extra kudos for ribbing up. Your opponents here, speed and everything. D'accord. Alors, OMG, j'adorais Roll Out quand j'étais petit. Madeleine de Proust. Non, c'est Roll Cage, on t'a dit. Roll Cage, Jean Massier. Qu'est-ce qu'il a dit, Pingouin God? Coucou, après avoir remboursé tous les frais de l'appartement, casino 1750 € quand même, un petit don pour toi. Des compléments HS, mais tu utilises quoi comme manette sur le PC, Steam? Hein? La Steam? Ah non non, j'utilise Microsoft Sidewinder 95. C'est Xbox Controller for PC. Et filaire hein. Filaire. Parce que si c'est pas filaire, des fois y'a plus de batterie, c'est chiant. Relance le jeu avec la manette branchée. Non, on verra. Bon allez, continue. Non, j'ai espoir à ce que la manette marche quand même. Une fois le jeu... Non, ça marchera jamais, vous avez raison. Je vais lancer le jeu. Wadraex, ça va de la Zerator TV. Alors là, certains diraient, mais Zerator, ça risque de replanter si tu le relances. Ben non. Puisqu'on a identifié la source du bug et qu'on a réglé ce bug en mettant le jeu avant, en fenêtré. Donc maintenant c'est bon. Maintenant ça ne plantera plus jamais sur ce jeu. Donc il n'y a pas de problème. Pas de problème. ISO 4, ça va dans la Zerator TV. Alors du coup tu n'as plus les chiffres de la putaclic. C'est vrai. On va prendre à partir de maintenant. Parce que j'ai aussi lancé l'autre jeu pour pas qu'il plante après. Évidemment. Évidemment. J'avais une démo de ce jeu il y a 10 ans. Ou alors de Roll Cage, trop bien. Oui c'est ça. J'avais une démo de ce jeu il y a 10 ans. Tu sais, le mec se dit oh, j'avais une démo de Grip il y a 10 ans. Ou alors c'était le jeu qui a inspiré Grip. Oh, je sais pas. Mais lequel ça peut bien être des deux. Bon, ça marche pas, tant pis. Race, allez, on s'en fout, on va jouer. J'espère que ça va marcher, sinon tant pis, j'accélérerai au clavier. Reset your car if you're in trouble. Let's go off the gas to use air control. Don't forget to use brake. Tap on brake to initiate a drift. Will turning. Turnage. Remember the car can still accelerate in the air jet power. Ok. Bon, je sais pas si la manette va marcher, je pense que non.
Mais c'est pas grave. Il va peut-être falloir redémarrer le PC si les ports USB sont out. Ah non, t'inquiète! Ils sont up! Sinon, j'aurais pas de souris, pas de clavier, pas de carte son, pas de webcam. Ah, est-ce que ça marche? Ah, ça marche! Comment on accélère? Ça va. Salut! Aurélark, merci pour ton sub! Alors, à partir de maintenant, vous ne voyez rien! Attendez! Y a pas la V-Sync. Du coup, ça lag. Tout va bien. On va régler ça, on connaît les problèmes maintenant. Oh putain, elle y est! Ça lag quand même! Oh là, j'ai pas de solution, hein. Je suis désolé. Epic! Oh non, là, j'ai pas de solution, désolé. Hein. Y a 2 FPS. Motion blur off, sharpening off, anti-aliasing off, ambient occlusion off. Screen résolution 1200, mais ta race maudite! Ah non, c'était avant. Upload screen résolution, brightness, contrast, gamma, saturation, V-Sync, limit frame per seconde, on. 70, pas plus. Save! Résume! C'est bon! Ça va beaucoup mieux! C'est génial, non, hein? Des solutions à tous les problèmes! Vous êtes bien sur la Zerator Télévision, comment on lance des bonus? Non, ça, c'est pas ça. Oh là, j'ai un shield! Comment on drift? Je sais pas. Tout va bien, on s'en fout d'aller sur les côtés dans ce jeu! Ok, le B a l'air d'être le bouton pour drift, mais aussi pour freiner! Ah oui, c'est bien ça! Pas de problème, il va falloir se faire au jeu! Ouais! Tout va bien! On est même pas dernier! Alors qu'on a fait nos réglages graphiques en pleine game, vous rendez compte? Ok, génial! C'est quoi déjà la touche de bonus? Ok, bouclier, drift! Ah, mais ça freine aussi, c'est très chiant! Enfin, ça freine beaucoup, je veux dire. On n'a pas d'autres bonus, enfin, si, peut-être on les a claqués, mais on sait pas ce que c'est. On ne voit absolument rien, c'est formidable! C'est comme dans ma jeunesse! Ok, je vois rien. Ah, c'est vachement mieux! C'était pas le jeu le problème! Je suis combien? Je suis premier! On me tire dessus! Ah! Que se passe-t-il? Je perds le contrôle! Ok, je suis en train de poser des mines en fait, c'est ça? Oh, le missile! Énorme! Ok, c'est pas mal, je commence à comprendre le délire. Ça va, les petites connexions, vous mourrez? Legacy Drake, ça va dans la Zerator Télévision, merci beaucoup pour ton sub. Oh, je pose une mine ici et je pose une mine là. C'est quoi le deuxième bonus? Ah! C'est pas grave! Wrong way! Oh. Je suis où? Wrong way! On est bientôt arrivé? Le gamin à l'arrière! Attendez, je sais pas comment on utilise le deuxième bonus. Je pensais que c'était un bonus qui se cumulait. Bon, du coup, on est plus du tout premier. Lap 2! C'est quoi ça? Oh là là! C'est quoi? Un EMP qui empêche d'accélérer les autres, un genre d'éclair de Mario Kart. Voilà, j'ai le boost là, non? Oh là là, je vais trop vite! 410 km/h! Ah, j'ai compris! Oh, d'accord! Oh, c'est formidable! 500 km/h! La vitre va se briser! Ok. Oh! J'ai pris un coup! Zerator! Oh là là! L'interface meurt en même temps que la voiture, c'est tellement immersif! Pourquoi mon fob est passé à 2? Paf! Missile dans sa gueule! Paf! C'est pas mal en vrai. On crie beaucoup, mais c'est pas mal. Non! Ça ne roule. Ça ne tourne pas! Ah, mais là, comment on fait? Ça... Ok. On est cinquième, on était premier, mais c'était un peu nul. Carapace bleue? Ouais. Bon, beaucoup de vitesse, hein. Difficile à suivre. Non, en vrai, c'est pas mal. La jouabilité est assez bonne. Faut que je prenne en main les drifts et ce genre de conneries. Ah merde. Même si on dirait pas que la jouabilité est bonne parce que je fais pas des très bonnes performances, je vous avoue que en fait c'est pas mal. I have to admit. Non mais putain. Ah bah là c'est foutu. 10 sur 10. C'est bon, j'ai la meilleure note, maman. 10 sur 10 à ma course hier. Ouais, on s'en fout. Non, on s'en fout de lui! Oh, c'est bon, il a pas go sur lui. Sinon, ça m'aurait TK en même temps. Oh là là, dégage. Ok, troisième. On est en train de doubler tout le monde. Oh, deuxième! Non! Ah ouais, mais repartir, faire un créneau dans ce jeu, ça te nique bien ta vitesse. Hein. Ah oui, on est passé de troisième à huitième. Typical Mario Kart game. Oui. Génial! Oui. Ah, il y a Dash sur le chat, il doute de rien, tu sais. Lui, il est là, il se pointe, 21h53. Tout va bien, l'indépendance d'espace bien. Ouais. Salut à toi! Oh, 1000 bidules! Énorme! J'allais dire 100 balles! 1000 euros! Mon don qui marche! Pas! Du coup, je te fais des bidules. Bref, ce jeu est trop bien.
Ah, mais ce jeu est grave bien, mais... Meurs. Ah, mais non, ça va jamais toucher. Ah, peut-être. Ouais, non. Il part sur rien, j'ai rien visé, arrête de faire genre. Oh là là, oh là là. Oh, cible verrouillée. Oh, ça va le buter, ça va le buter. Ça va le buter. Paf. Ok, ok, on est pas mal, on est pas mal. Là, si je prends... Non. J'allais dire, si je prends pas de bonus, enfin de malus, du coup, ça peut être pas mal. Allez, le speed. Putain, même en faisant le maximum drift, j'ai pas pu handle. Ok, bonus de droite, c'est gâchette droite. Bonus de gauche, c'est gâchette... Oh putain, mais c'est lap... Non. C'est le lap 4. Vite, turbo. Mais putain. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Les bots s'unissent contre moi pour gagner. C'est Skynet, la sulfateuse. On voit que dalle, putain. Je peux enfin avoir des lives, blabla. Attends, toi. Oh là là, on l'a fait jumper, le gars devant. Du coup, abonnement, tout ça. Du coup, argent, quoi. Salut le chamallow, merci pour ton soutien. Un jeu formidable ce soir, comme tu peux le voir, chamallow. Ok, 7ème, 6ème, 5, 4. Non, pas du tout, juste 5. Oh. Ok, 4, 3. Je sais même pas où est la ligne d'arrivée, putain. Tellement je suis un tocard. Ok, génial. Oh putain, là. Oh, you came third. Oui. Eh, hey, pas mal. Vous êtes arrivé 3ème. Vous êtes arrivé le 3ème. Salut BioSense, merci pour ton sub pendant une année déjà. Oh, c'était éprouvant. Bon, on va baisser un peu le son, d'accord. C'est horrible en élevé, je peux pas en source, rip. Comment ça, c'est horrible en élevé? Mais non, c'est trop bien. Alors, attendez. On va baisser un peu le son du jeu. Kiloun974, merci pour ton sub. Parce que le jeu était déjà à 29% de son dans le mélangeur, donc on va le mettre... À 18%, je pense qu'on sera pas mal. GG en tout cas. Grave nice. Bon, il faudrait une course, voilà, en extérieur. Rating hard, rating normal. En fait, les deux courses, on voit rien, elles sont en normal. Et par contre, dès qu'on voit quelque chose, c'est hard. Nombre de laps 4. Nombre de combattants 10. Pick-up, catch-up assistance, destructible véhicule. Mirror red track, difficulté level. Et si je mets easy là. Ouais, non. Engine power auto. World weather. Off, on, random. Non, random, c'est plus sympa. Putain, mais qu'est-ce que j'aime cette émission. Bis à toi et Carlotta. Carlotta, Carlotta. Allez vite, faut tester. Bon, je vous rappelle qu'il y a 20 circuits, ce qui est pas mal pour un early access. Mais pour l'instant, pas de multi. Donc pour l'instant, tout va bien. Première fois que je passe de YouTube live. Et là, what the fuck. Sinon, marrant le nouveau Trackmania Kiss. Putain, Ben Affleck. Franchement, si un jour ça c'est Trackmania, je pense pas qu'il y aura de cup dessus, hein. Trop bordélique. Trop bordélique. Alors, loading. On est en loading, d'accord. Parce que je voyais rien à cause de la manette devant moi. Ça vous plaît ce jeu, c'est vroom vroom les voitures. Après, ce sera pas la même ambiance, hein, je vous le dis. Je vous le dis, accrochez-vous. Allez. Ça a l'air sympa ce reboot de Mario Kart pour la Nintendo Switch. Putain, mais je suis en s'il vous plaît devant tous ces gens qui méprisent Roll Cage. Hop, sur le toit alors, qu'est-ce qu'il y a? Ces gens qui méprisent Roll Cage. Jeu formidable. Mais non, je croyais que je pouvais passer. Ah ouais, bah là c'est foutu. Alors c'est ça ce jeu. Avec une seule erreur, on se retrouve handicapé pour toute la course. C'est comme ça qu'on veut apprendre aux nouveaux joueurs. C'est comme ça qu'on veut leur donner envie. C'est ça. Là, je connais pas la course et je vais claquer mon turbo et ça va être une catastrophe. C'est ça. Oh, c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon. Alors voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend aux nouveaux joueurs. Maintenant, il y avait les difficultés hard. J'avoue, je me suis pris un mur, c'est fini. Dommage. Ah ouais, difficulté hard parce qu'en fait... Il y a beaucoup d'endroits beaucoup plus étroits que la course précédente. Alors le air control est quasi nul, si ça vous intéresse. Ok, les feux d'artifice, on voit que dalle. Dégage, 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 dégage. Dégage. Oh, l'aspiration. Et il passe par le toit. Oh, c'est formidable. Non, c'est pas formidable, ok, d'accord. Oh, le jeu est très beau par contre, comme la plupart des choses qui se font sur Unreal Engine 4. Donc ça, ça m'étonne pas. Oh là, le turbo, c'est maintenant. Ça passe. Ouais. Salut, qui s'est abonné à Zerator TV? C'est Tips. Comment s'appelle-t-il précisément? Tip Top 0... Quoi? 0340. Tip Top 0340. Merci pour ton sub. Je suis dans un raccourci de l'enfer. Oh, génial. Ah, la bonne réception. Non, c'est bon.
Bon, je suis quand même revenu ici. Hop, donc il y a des cuts. Mais dégage! Il y a des cuts sur cette map, pas très bon mapper. Oh là là! Oh là là là, franchement, quelle qualité de jeu! Dégueulasse! Rasta FX, salut, merci pour ton sub! Bon, le live de ce soir est catastrophique! Rien ne marche, tout bug! J'en doute pas que le jeu est beau, mais là c'est flou. Ah ouais, si vous êtes pas en source, je vous l'ai dit, vous allez souffrir. Hein. Et comme ça au moins. Oh non, mais quoi? Ah ouais, là on est vraiment. Oh, on perd tellement de temps! Ok. Je sais pas comment ils ont fait le jeu au niveau de l'équilibrage et tout, mais je pense que le premier de la course dans ce jeu, s'il prend un peu d'avance, il est sûr de gagner, non? Puisque en fait, s'il peut pas être attrapé et donc pas visé par les bonus, il se trouve avec un avantage considérable. Oh putain, c'est la bataille pour le 9ème entre lui et moi. Et c'est gagné pour moi pour l'instant. Bon, heureusement, il y a des petits murs invisibles quand même pour éviter de trop sortir de la piste. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Mercredi, des patates. Hop. Pas mal. Ah oui, mais attendez, il y a un bouton air control, je crois. Je crois qu'il y a un bouton. Waouh, tu calmes. Il y a un bouton air control, je sais pas où il est, ça va permettre de faire des SPN. Ça, c'est la première truc où je me suis planté au début. Pas du tout. J'étais plutôt POD, mais ça rappelle le sacré souvenir. Non, mais pas de problème, Sextoys. J'ai dit tout à l'heure POD ainsi que Roll Cage. Et c'est l'idée. Comme Johnny. Ah! Mais quoi? Mais on comprend rien, ce qu'on prend dans la gueule! Je brûle. On dirait les courses de Pod Racer de Star Wars, sauf qu'ils ont pas oublié les roues. Ah! C'est un peu l'idée, ouais. En fait, ce truc est... tourne autour de moi, c'est ça? En fait, c'est pas un truc que j'envoie. Oh là là, cette histoire de mur invisible. Meurs! Ah, j'ai plus ma sulfateuse, dommage. Ok, 8 sur 10, j'arrive, hein! Vous êtes beaucoup à soutenir et à envoyer des messages, mais là pour l'instant, c'est vrai que dans les courses, on peut pas trop regarder. Waouh! Oh waouh! Ah non, c'est de la merde! Non, c'est bien! Oh, une mine! C'est vrai, une mine! Attendez. Ah, c'était bien ce que j'avais fait tout à l'heure, là, ça là. Et alors là, il y a peut-être un bouton pour air control. Bon, j'ai pas trouvé. J'appuie sur toutes les touches quand j'étais en l'air. Ok, j'ai. Ah! J'ai une mine! Il y a un bouton arrière, c'est ça? Ok. Et je peux prendre un missile dans la gueule. Ah, je suis arrivé 7ème! J'aime beaucoup, j'achète, mais tout le monde s'en fout. Je veux juste poser une question. Comment le jeu gère les directions droite-gauche quand tu te retournes ou quand tu passes du toit au sol? Ah, bah, ton avant, c'est toujours ton avant. Donc, si tu te retournes, faut que tu fasses marche arrière et que tu repartes. C'est pour ça que je dis qu'on perd beaucoup de temps. Et si tu te retournes, par contre, ça reste les mêmes droite et gauche. Les directions sont jamais inversées. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de pilote dans cette voiture, par contre, hein. Car je n'aime que les jeux réalistes. Ah, si t'aimes les jeux réalistes, ce jeu est fait pour toi, mon gars. Alors, air control, c'est quoi? Let's go off the gas to use air control roll. Ouais. Alors, on va tester un autre mode, parce qu'il y avait plein d'autres modes. Genre, il y avait le parcours, le carcours. Robiwan, merci pour ton sub. Salut, Zera, premier don, viewer de l'ombre, tout ça continue, ça me fait toujours autant marrer, des bisous. Les Edokan, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Airtime, rating easy. Bon, il y a du carcours. Sinon, on fait deux sessions de ce jeu. Moi, je suis ok. Et on n'en fait qu'une du suivant. Faut faire quoi? Faut aller où? Je vais aller tout droit, on sait jamais. Dans le doute. Quoi? Mais comment je fais? Comment je suis supposé d'aller plus vite que ça? Faut que je prenne mon élan. Ça me semble stupide comme mécanique de gameplay dans une première arène de parcours. Voyons voir. Voyons voir. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais... Oh là, la caméra des fois c'est bizarre. Nice! J'ai gagné! Stage complete! Stage complète. 24-0-150. Bon, c'était un peu nul. Bon, c'était un peu nul. Le truc, c'est que après il faut y aller en mode speedrun, je fais des records, c'est formidable. Hein? Vous comprenez? Mais c'est pas grave. Exactement. Un sale fauve. Bah, je sais pas si le fauve se modifie. The field of view. Je crois pas, hein, je l'avais pas vu. Opération contraste. Frame par second maximum. Non, il n'y a pas le fauve. Rowellscom s'abonne à la Zerator Télévision. Merci beaucoup, Rowellscom. Alors on va faire un truc peut-être. Half tube, nightmare.
Slide rating normal. Essayons. Essayons. Je sais pas. Mais alors le truc c'est qu'il n'y a pas de médaille ou ce genre de truc pour dire médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, pour savoir si on est dégueulasse, savoir si on est un viewer, savoir si on est décent, savoir si on est ce genre de truc, vous voyez. Dorian MB, salut. Merci pour ton sub. À moins qu'on puisse partir en arrière. Bah, oh là, la marche arrière, ça lui a pas plu. Hein. Allô ? Ok, je vois rien, ça me saoule. Très bien, on va repartir sur une course où on voit des choses. Bonsoir, salut Hicks, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton soutien. Le FOV c'est dans Games R1. Ah ouais ? Ah merde ! Attendez, des gens ça vous sait. Du coup je vais l'augmenter, je vais le mettre à fond, j'imagine. Alors settings, game c'est là, field of view, ah bah oui ! 100% ! Split screen layout, non ça on s'en fout. No joke, les mecs se sont fait plaisir au niveau de la DA et des animations de lui. Ah bah ouais. Attendez, jump control easy. Avec le FOV à 100%. On va encore moins voir ceux qui ont des petites connexions. Ça va donner une impression de vitesse encore plus grande. Mais c'est pas grave. Ah, ça risque d'être l'apocalypse d'ailleurs. Ah, ça ne change rien, comment vous dire. Il y a peut-être un mode turbo que j'ai pas saisi. Ah, j'essaie de tester les trucs. J'essaie de tester les trucs. Ok. Ça, c'est la caméra pour regarder autour de nous pendant les sauts. Ok. Regarde, on teste des trucs, T'es pas encore plus près? Je sais pas, j'en sais rien. Ah, j'avais l'impression que j'étais un peu parti sur le côté là. Pas du tout! En fait, le FOV est très low quand tu es lent, il augmente avec ta vitesse. J'ai bien compris, mais bon. Là, j'avoue. Sinon, tu vas dans Settings pour voir les commandes. Putain, j'avoue, là, il serait temps parce que... Alors Handbrake, reset véhicule, hold. Hold. Pas de face bottom. Pas de face bottom, aucune idée de ce que c'est. Caméra out, loop back. Look back, slow motion. Slow motion, pas de spécial left, jamais eu. Show scoreboard. 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 You gonna battle. You gonna fight. Win or lose, you gonna be alright. Regardless of the scoreboard. Bon, y'a rien! Arrête d'accélérer pour le air control. Ouais, je sais, ils ont dit ça dans les tips, c'est pour ça que j'arrêtais. Reset véhicule kit ou restart. J'essaie de trouver. Hein. Fallait rester appuyé sur une des touches. Ah, c'était ça. On va essayer. Ah, attendez. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est juste le joystick, il n'y a pas de touche. Et ça met un peu de temps à s'activer. Ah ouais, c'est quand même pas dingue, hein. Oh, c'est pas dingue le air control. C'est pas genre tu fais yahoo yahoo, quoi. C'est pas Rocket League, quoi, tu vois. Moi, je m'attendais à voir un truc de Rocket League. Un air control type Rocket League, genre pouvoir faire des vraies vrilles. En fait, pas du tout. Hein, Ira Cheat. Merci beaucoup pour ton sub. Speed rating easy. Donc ça, on va être nul. Ça va être bien. Mets ton FOV au minimum. Ah ouais, FOV au minimum. Ah, vous croyez que c'est un FOV inversé? Ah, d'accord. Ah, c'est pratique, j'ai fait settings pendant le... D'accord. Ça n'a rien changé. Ouais, donc c'est bien ça change en fonction de la vitesse, quoi. Ouais, ouais, énorme. Je suis fort, en tout cas. Ça, c'est des petits boosts, des légers boosts. Voilà, là, j'ai 0 de FOV, par exemple. Merde, je colle au mur. Donc comme dans tous les jeux de course superbes, coller les murs n'est jamais bon. Hein? Vous le savez. Don't hit the wall. Alors vous pensez peut-être que vous ne voyez que dalle. Eh bien non. C'est parce qu'en fait je ne vois rien non plus. Ah! C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi je ralentis là. Ah, parce que j'avais plus le boost. Alors maintenant, le feu à fond.
le fauve à fond sur ce truc là. Et là on verra. Et là on saura. Qui saura? Qui saura? Saura? Un peu trop de shaders peut-être sur cette map. Ah voilà, là il y a plus de fauve, un tout petit peu plus. Ah ça se voit tout de suite. Ah. Bon d'accord, très bien. J'ai compris. Certainement restart le jeu pour actualiser le fauve. Je sais pas, j'avais l'impression que là c'était un peu mieux. Car can still accelerate in the air jet power. En fait c'est cool, du coup au air control tu sacrifies toute ta vitesse. Oui donc vieweuse de l'ombre tout ça premier stream en source. Moi ah oui je te suis depuis KTP8, je me lasse pas du stream, des bisous, reviens à Tours, je t'offrirai des milliards de chocolat, Jeff de Bruges, oui j'y bosse. Nice. Une fille, t'es. Une fille. Trop marrant. Merci à toi. J'aime pas trop le chocolat. Tu peux en amener pour Dash par contre. Elimination Race, Ultimate Race. Alors, ça c'est. Attendez, il y a l'arène genre. Genre l'arène des ballons dans Mario Kart. Ça c'est chouette. On va tenter les trucs où il faut donc se combattre. Destruction Derby. D'accord? Trop fort, Zera se suicide dans le vide. Énorme. Ouais. Bon. À l'attaque. Destruct is quoi? J'ai pas vu. Ça devait être genre ceci est une alpha, merci à tous. C'est signé Zangda. Ok alors. Yahoo! Je vais sortir de la map, c'est ça? Ma première action sur cette carte va être de sortir de la carte. Mais du coup, je ne vois que dalle. Mon fauve va beau être à fond ou que sais-je. J'ai un problème de caméra. J'aimerais bien être plus haut en fait et un peu plus reculé de ma voiture. Mais bon, c'est fait exprès, il faut gagner un peu de la vitesse. Par contre, les shaders là, c'est sérieux. Vous êtes passé à Super Faux Game pour faire votre jeu, c'est ça? Si DSIG me lise, arrêtez avec vos shaders. Oh le salaud. Respawning hit 4-3-2-1. Vite un bonus. Une mine. Génial. Aucun besoin d'une mine. Il faudrait trouver les missiles pour voir un petit peu Putain mais encore une mine. Pour les IA n'iront jamais sur le côté c'est ça. Oh la vraie musique de sauvage. Alors attendez. Encore des mines mais c'est pas vrai. Bon cela dit si je mine toute la carte. Oh putain voilà Gatling. Meurs. Attends meurs encore. Oh. J'ai fait un kill. Mais du coup ça me nique mon interface. C'est obligatoire. Bim. Oh Blade. Non il est pas mort. Ok. Another missile in the wall. C'est parti. Ok là j'ai fait un saut périlleux. Un saut périlleux. Alors il faut verrouiller une cible et ensuite tirer. Feu. Attention Blade. Attention Blade. Paf. Zéro de dégâts environ. Ok, petit dérapage. Blade encore. Non, Flame. Jetfire. Meurs. Quoi? Zéro de dégâts. Ok, Gatling. Là, il y a une mine. Oh, j'ai encore une mine. Je mets d'abord le deuxième bonus. Quoi? C'est un scandale. Alors par contre ce qui est vachement bien c'est qu'on peut avoir deux bonus mais envoyer le deuxième bonus et pas le premier. Genre là j'ai un missile et un missile. Mais par exemple si je veux envoyer le missile de droite, j'ai qu'à appuyer sur la gâchette droite et ça enverra le missile de droite. Regardez par exemple, hop. Et là j'envoie le missile de ma gâchette de gauche. Raté parce que j'avais pas verrouillé la cible. Go. Ok bon j'ai 725 points, ça doit sûrement puer. Oh beurre. Voilà beurre. Je sais pas si c'est moi qui... Yeah. Je fais masse dégâts. J'ai 889 points, c'est formidable, non? On va voir les touches pour la cam. Ah mais il n'y a pas de touches pour la cam, c'est genre... c'est comme ça. Il y avait un peu de fob, on a vu, mais... mais voilà. Il n'y a pas 10 000 touches sur une manette, tout à l'heure j'ai appuyé sur tous les boutons. Paf. Je suis premier, c'est ça? Oh putain, je suis premier. C'est moi qui fais le plus de damage. La mitraillette, ça me paraît OP. Ok raté, mais il fume. Il va... Allô? Oh, c'est un bordel total. Le jeu est très beau par contre. Je sais que vous voyez pas à quel point le jeu est beau là, mais... Ah voilà, d'accord, air control du coup. C'est un gars qui t'a découvert en novembre. Si, si, c'est possible, en tout cas tu donnes le sourire. En chaque instant de ma vie, notamment dans les moments difficiles, comme lorsqu'il est 4h du mat, avant le travail, alors merci à toi. The Husker, tu m'as fait prendre une mine. Tu te rends compte? Tout le monde s'en fout.
Que je prenne une mine. Putain. Mais moi, on meurt. Merci à toi en tout cas. Ok, donc la shield. Je mets un shield derrière moi. Ça protège mon arrière. D'ailleurs, je fume, donc ça tombe bien. Il reste combien de temps? Il reste une minute. Mais en fait, il n'y a que des missiles. Il n'y a pas trop de bonus. Ah, j'ai raté, je pense. C'est raté, non? Ouais, c'est raté. Il est carrément arrêté. Qu'est-ce que... J'allais dire, qu'est-ce que c'est, cette IA stupide? Bah, en fait, non. Il y a autant de points positifs dans ce jeu que de négatifs. J'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Et bah ouais. C'est vrai que... Il y a des points positifs et des points négatifs. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de trucs qui me plaisent beaucoup. Et il y a des trucs qui me plaisent beaucoup moins. Genre la gestion de la caméra, j'aime pas du tout. Après, le jeu est quand même très beau. Et en fait, la jouabilité est assez bonne, faut le dire. Mais et la caméra, c'est une catastrophe. Et les shaders... Et la visibilité, c'est pas dingue. Alors je me demande ce qui se passe si on envoie deux bonus Gatling d'un coup. Est-ce qu'on fait tons of dégâts? 1846 points, mais je suis un monstre. Il reste 14 secondes. J'aurais aimé avoir deux bonus de Gatling, histoire de faire mes tests. Il reste 8 secondes. Nice! Vous êtes fini premier! Vous êtes arrivé premier! You came first! 2093, presque le double du deuxième. Oh dis donc Blade, regardez, typical demo player quoi. 65 le type. Le mec est en état, mais alors, de mollusque desséché devant son ordinateur. Mais c'est une IA. Non, 65, dégueulasse, nul. Le mec n'a rien fait pendant 10 minutes. On va faire une course. Est-ce qu'on ferait pas une dernière petite course pour voir? Dernière petite course. Single event. Ouais, je sais, I came, c'est rigolo. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils aient mis I came dans un jeu anglais. C'est un peu étrange quoi. Alors, better not get left behind because those are the rare soon disappear. One lucky sum beach every 30 secondes. Stay ahead to stay in the game. Alors, ça c'est pas mal, c'est-à-dire Elimination Race. Le dernier envie à gagner. Et ça, c'est les deux. Ultimate Race, en fait, c'est le vrai mode puisqu'ils disent Proper Combat Race. While your speed and your strength. Separate the best from the rest. The most trigger happy, the better. Hein? Ah oui, with points being awarded for weapon use and damage to opponent. Bon, il y a des points pour un peu tout. On va refaire la première course. Maintenant qu'on a du talent. C'est bien ça, hein? Weapon use and damage opponent. Ah non, c'est les deux? Désolé, je ne voulais pas pour la mine. Pour la amine. Quoi? Je vais montrer ma gratitude. Qu'est-ce qu'il raconte? Désolé, Zera, je ne voulais pas pour la amine. Ah, c'est zéro. La zéro mine. Je voulais te montrer ma gratitude. Non, j'avais pas compris. Mais merci. Merci à toi. Three laps. On va refaire la première course du jeu pour voir si maintenant je suis plus à l'aise ou si je suis toujours aussi dégueulasse. Essayons. Toutes les 30 secondes, le dernier meurt en élimination. Ah ouais? Sans deck. La laine est à gauche. Sans déconner. Reset your car if you're in trouble. Alors peut-être que c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que peut-être que dès que tu prends une grosse boîte, comme disent les jeunes, il faut reset la voiture. Donc avec la touche B, appuyer longtemps, je crois. Vérifions tout de suite, parce que de toute façon, on finira premier. Non, c'est pas ça. C'était le A, alors. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, ça m'a fait passer premier, quasiment. Ah, donc c'est ça. Donc il y a un cheat. Il y a un cheat, c'est-à-dire qu'en gros, dès que vous êtes un peu in trouble, là non, dès que vous êtes un peu in trouble et vous prenez vraiment une grosse boîte que, et vous savez que ça va vous ralentir un max, et bien vous appuyez sur la touche A pour vous réinitialiser. Et ça va beaucoup mieux. Genre la paf! Hop, j'appuie sur A. Et c'est reparti pour un tour à l'endroit. Et c'est beaucoup mieux, comme ça on est droit dans ses bottes. Droit dans la course. Ah! Rentre là-dedans! Oh, formidable! Je sais pas ce que c'est ce bonus, j'ai l'impression que c'est une bombe MP, un truc comme ça. Et à la fois je sais pas trop. Ça va beaucoup mieux cette course, regardez! Regardez, c'est incroyable! Alors maintenant j'ai appris qu'il fallait freiner dans certains virages. Ce qui n'est pas évident au début quand tu arrives sur ce jeu, t'as pas envie de freiner, tu vois. C'est pas le premier réflexe que t'as dans ce jeu, quand t'arrives, le frein. Ok, donc là on a le speed. Et si on le claquait, genre, maintenant. Dégage. Ok, pas mal, pas mal.
Putain, mais c'est formidable. Le frein, waouh, on a freiné au maximum, ça a peut-être pas suffi. Si, c'est bon. Là, dès qu'il se rapproche un peu, paf, cible verrouillée, c'est bon. Plus la Gatling. J'aime bien ta technique pour avoir plus de dons, tu fais semblant de ne pas les voir, sympa. Ça va pas ou quoi? Merci le Kima 62. Ah merde. À moins que t'aies peut-être fait une donation que je n'ai pas vue. Auquel cas, je te prie d'accepter mes excuses et voilà, toutes mes confuses. Ok, mine ici. Ah, des bonus là. Ça c'est du speed, il faut le prendre, il faut le prendre. Prends-le Zerator. Oh, j'ai mis une mine devant le bonus. Ah non, ça a pas marché je crois. Mais qu'est-ce que... Oh! Mine ici et mine là. Nice. La vitesse. Dis donc, vu qu'impossible de m'abonner. Comment ça, Puri? Eh bah, je te remercie. Ah non! Et donc là, touche A. Touche A, enfoncé longtemps, voilà. Oh putain, une mine. Touche A, enfoncé longtemps encore. Touche A, enfoncé longtemps. Merci. On est deuxième. On va peut-être passer troisième dans deux secondes, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, l'EMP, ça enlève l'interface et ça fait désaccélérer. Désaccélérer. Ça fait l'arrêt de l'accélération. Ah, cinquième, égal Mario Kart Game. Ouh! Deuxième! En un seul boost, en un seul champignon, dis donc. Merde, touche A pendant longtemps! Voilà. Là, on prend le petit speed et dès qu'on se retrouve à portée, on va Gatling quelqu'un. Genre maintenant. Pas du tout. Pas du tout. What? Je me fais tirer dessus! Par une Gatling à l'arrière! Alors j'avais mon shield. Vous avez vu d'ailleurs que le. Ah, mais ils peuvent rouler sur ces murs-là? Vous avez vu d'ailleurs que les shields restent tant qu'ils n'ont pas été épuisés par un bonus adverse. Du coup, vous vous dites pas en mode putain, mais il faut que claque mon shield au bon moment et tout, c'est relou. Pas du tout, pardon. Badada. Mais Gatling, c'est trop fort. Petite mine larguée là. Paf! Bah, ça doit être comme dans les Mario Kart contre les IA, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si t'es rapide, ils finissent toujours par te rattraper. Sauf si t'es extrêmement fort, mais je veux dire quand t'es 4 jours et que t'as un peu d'avance. Mais cet homme est fou. Salut Aurélarc, merci Aurélarc. Bonjour Aurélarc. On est au troisième lap, dommage que je sache pas quand est-ce que la course se finit. Alors il y a bien l'interface en haut à gauche, mais j'arrive pas trop à comprendre. Ah oui, c'est ok, c'est à quel point les gens sont loin. Ah, mais difficile de regarder autre chose que la voiture et la course dans ce jeu. La vitesse. Ah, on est rentré dans la bombe. Ah non. Ah non, s'il te plaît, non. Ok, nice. Il est parti pour relever le record. Exactement, c'est parti. Et c'est fait, Falcon des 7. Je suis premier. Jester, Flame. Putain, j'étais qu'à 2 secondes. Ah, les autres courent encore, du coup leur timer court encore. C'est pas comme les mensonges de Mario Kart où tu finis premier et t'as instantanément le temps de tout le monde. Ça, c'est des mensonges, ça. Ça, c'est des mensonges, ça. Ouais, c'est des mensonges. En tout cas, je suis premier. First World. Salut Martin Greff, merci pour ton sub. Des mensonges, donc je disais, et heureusement ce jeu ne ment pas, lui. Donc voilà. Alors là, à heure de jeu égale. Alors là, à heure de jeu égale, c'est quand vous voulez. Hein. Non, 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 pas mal, pas mal. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce jeu. Je sens que vous souffrez, hein, les petites connexions. On va passer au deuxième jeu de la soirée qui nous fera presque la fin. On va s'en faire un petit dernier. Ouais. J'ai envie de tenter une Elimination Race. Donc voilà, vous avez compris. Bref, toutes les 30 secondes, le dernier est éliminé. Donc ça, c'est un peu... On doit survivre, quoi. Engine Power, c'est quoi? C'est genre... la boîte? Boîte automatique ou... Low, Medium, Wild. Énorme. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Game Mode. Ah non, c'est juste le Game Mode. Mais non. Jantra. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais bien sûr! Elimination Race. Ça, c'est les maps en fait. Il y a plein de maps, j'avais pas vu. Waouh, vous avez vu toutes les maps? À chaque fois que je fais suivant, il y en a toujours des nouvelles. Non, pas du tout. Transport Reverse, Rating Normal, Eliminate. Tentons celle-là! Les contrôles de caméra existent aussi, Zera. Ah bon? Bah écoutez, j'appuie sur toutes mes touches sur la manette. Il y en a aucun qui fait du contrôle caméra, donc peut-être qu'ils les ont pas bindés. Peut-être qu'ils les ont pas mappés sur la manette, mais. Mais ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air. Alors oui, il y a bien le stick droite pour regarder vite fait, sur les côtés. Il y a le Y pour regarder derrière, mais il y a rien pour reculer sa caméra et faire d'autres modes de caméra. Enfin, on dirait pas. Hein? À moins que ce soit select. J'avoue, j'avais pas appuyé select. Non, c'est bon. C'est pas ça.
Alors comme d'habitude au démarrage dans les jeux vidéo on est plus voilà on est meilleur que les ordi. Encore un superbe décor. Oh, il y a un gros truc là. Ce serait pas genre une sorte de big looping. Ah voilà, là on retrouve des choses qu'on peut trouver dans Trackmania par exemple. C'est sûr que mapper sur un jeu comme ça c'est pas comme Trackmania hein. Là on est sur, c'est même plus du mapping hein, c'est du propre level design. Ok, pas mal, j'ai bien aimé ce tunnel plein d'obstacles que j'ai déjoué à la perfection. Là normalement je devrais appuyer sur A longtemps, mais je vais pas le faire pour découvrir la course un peu. Comme ça je suis tamponateur pendant quelques secondes. Secondes. Merci beaucoup, The Hawker. Attention, c'est l'élimination dans 10 secondes, c'est écrit au milieu de l'écran en haut. Oh, oh, la mine s'est pas déclenchée tout de suite parce que je suis passé juste derrière. Ça c'est pratique, merci beaucoup. Oh là là, vite. Ah, pendant longtemps. Oh, ça vient d'éliminer un type et je suis pile 9ème à ce moment-là, formidable. Attention, il y a une mine sur le côté gauche. Voilà, on est 7ème. Bon, en fait, la réinitialisation avec A, c'est quand même pas dingue, hein. Pas dingue dans le sens où vous pouvez quand même perdre pas mal de temps. Qui l'eût cru? T'es mort. Hop là. Ah, que se passe-t-il? Pourquoi mon interface? Parce que j'ai dû faire... Peut-être quand on touche quelqu'un, on a un truc dans l'interface. Mais dégage! Oh là là, mais n'importe quoi. Non, c'est bon. Et paf! Ah, quelqu'un vient encore d'être éliminé. Ça se passe bien pour moi pour l'instant. Ah! Oh, bien joué Zerator SC2, TVFR officiel. Le turbo dans le tunnel, c'est formidable. Le turbo, pardon, le dérapage. Ah, la mine! Oh putain, non! Vite! Mourez par les missiles! C'est bon. On est 5ème sur 7. Sur 7. Ça va verrouiller la cible dans peu de temps. J'ai besoin d'un verrouillage de cible. Oh putain, une mine là? Ah non, c'est juste un. Ah, c'est un type, c'est pas une mine. Bip 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 bip, ça veut dire qu'un bonus me poursuit, j'imagine, c'est ça? Non! Oh, j'ai fait l'esquive de la carapace bleue grâce aux champignons, vous avez vu? J'ai déclenché mon turbo juste au bon moment. Ah, pendant longtemps, qui a dit. Ah! D'accord. Merci hein, pour ton généreux message. Plein d'amour. Hop, une mine ici. Et paf, ça touche quelqu'un. Zerator a tué Talon. Blade. J'ai rien compris, mais en tout cas je l'ai eu. Oh non, la bombe EMP. Ah, pas que ça me fasse tomber, hein. Ok, c'est bon. Ça aurait pu être pire. Ah, attendez, mine. Paf, je touche quelqu'un, pas du tout. 1 sur 6, je suis premier actuellement de la course. Vous ne rêvez pas. Ah, serais-je poursuivi par un bonus? Ouh. Nice. Pas mal, ça. Pas mal du tout, Zerator. Ok, ça pue la merde. Vite. Ah, pendant longtemps. Alors, où suis-je? Ok, 4 sur 5. Ah, c'est bon. Alors, pour l'instant, ils sont un peu trop près. Et si je fais ça, peut-être? Dégage. Je suis dernier. Oh, c'est dans 5 secondes. Vite. La mine. Non. Ah, 3, 2, 1. C'est bon, il y a un mec éliminé, c'est pas moi. Ah. Ah. Oh là là. Oh là là. Alors là, voilà. Voilà, là je pense qu'on est mort à 100%. Sauf si le jeu est sympa et qu'il dit t'inquiète, on va te faire rattraper les autres. Vu que t'es nul. Mais là à mon avis, c'est perdu. Ah, la bombe. On est passé cette bombe. Attendez. En plus j'ai un bonus qui m'arrive dessus. Mais comment est-ce possible? Ah non, c'est juste que je vais être éliminé. 3, 2, 1. Et boum. Lost it DNF. Pouah, ce qui m'a mis quoi. Vous rendez compte, j'ai Lost It DNF. Je suis trop deg. Quand tu fais Lost It DNF dans ce jeu, c'est que vraiment t'es. T'es out quoi. T'es out. Par contre, je suis qui a le plus de points. Insert coin to continue. Sympa comme référence, mais c'est faux. Hein. Si j'insère une pièce dans mon PC, je pourrais pas plus continuer le jeu que si j'appuie sur A avec ma manette. Hein. Ah, bien beau hein, de vouloir faire des. Hein. Hein. Minir ça. Bon, eh bien écoutez, Elimination Race, pourquoi pas. Mais vos copains nuls accepteront jamais de jouer avec vous dans ce mode là hein. Je vous le dis, Elimination Race, si déjà vous savez conduire sur la route à peu près avec vos potes à temps de jeu égal, c'est comme ça qu'il faudra jouer hein. Jouer safe absolument et pas faire de folie. D'accord. Et voilà. Et sinon Ultimate Race, et bien là, alors je sais pas ce que c'est la différence entre classique et Ultimate Race. Ah oui, parce que là c'est des points.
D'accord. Ok, being awarded for weapon use and damage to opponent. D'accord. Ok, ok, ok. Donc à la fin de tous les tours, celui qui a le plus de points à gagner, quoi. Ok. Time trial. Bon, ça évidemment, c'est le mode qu'il y a dans tous les jeux de course. Le time attack, où on peut chacun, bien évidemment, utiliser comme on veut, tout seul son jeu, je veux dire, pour voilà. Et donc dans le parcours, vous aurez des trucs de roundabout rating hard. Vous aurez des trucs de vitesse, de jump, de air control, de slide, d'endurance aussi, endurance rating hard. Donc voilà, si ça vous intéresse de tester Grip, c'est un jeu en early access, pour l'instant sans multi, pour l'instant sans campagne, pour l'instant sans stats, mais qui possède un garage, voilà, vous pouvez tester beaucoup de voitures. C'est un pay to play, donc pour l'instant pour 16€ en tout cas, vous avez l'air d'avoir tout le jeu, il n'y a pas l'air d'avoir de cash shop in game, donc voilà. Mesdames et messieurs, c'était Grip pour l'Independence Day, bien évidemment. Donc nous on va se retrouver dans 5 petites minutes pour le jeu suivant de la soirée dans l'Independence Day. A tout de suite. Ne bougez pas, on revient.